man a beta 30 jours à jeûne et prière à tondi sa stade à New Delhi. Bon, si quoi, bah, évangéliste Gizamine, bah, ebin, bah, ebin qui cité, bah, ebin qui on a dit. Ou à papa, moi, au pire. Donc, à Zongi, c'est maintenant CPC. À Zongi, c'est maintenant la cala. Lorsque le premier jour, mais telle mobilisation. Un miracle, c'est ça, les mamakas, c'est un moment où on a peine à y. On a peine à y pour nous participer dans la cata. Il y a trois ans, il y a un peu de temps. On peut parler. Là, on a des moyens. Il y a beaucoup d'amis qui viennent. Des membres de famille. Des connaissances. Des infatuels malades. Pendant une année. Pendant deux ans. Pendant trois ans. Tu es couché. Même ceux qui mangent à ta table. Même ceux qui te promènent avec toi. Même ceux qui dorment sur ta poitrine. Il va t'abandonner. Mais l'homme de Galilée dit, je t'abandonnerai jamais. Mais quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses les moments obscurs de ta vie, les moments de douleur. Lui dit, moi, je te défendrai. Voilà. L'autre jour, c'était en Angola. Je me trouvais dans la ville de Kafoufou. Un pasteur est venu avec sa mère. Ma maman était paralytique. Depuis que ce pasteur est né, ma maman était paralytique. Et comme moi où je prêchais, j'ai entendu les cris dans la foule. Cette maman s'est levée. Elle a commencé à crier. Le pasteur est passé devant. Parce que le pasteur était derrière. Alors tout le monde voulait voir ce qui s'est passé. Le pasteur regarde. C'était sa mère qui marchait. Il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Aujourd'hui, c'est ton jour. Mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, nous sommes ici au Stade des Martyrs, comme vous l'avez remarqué. Trois grandes journées de prière avec l'évangéliste Kizamina Kibila. Donc, Isaac Ouinda, tous les chrétiens sont mobilisés, comme vous l'avez remarqué. Délégation, il y a Papa de la foi Baye, donc dans la communauté de Bazali. Les mamans sont avec nous. Maman Ambotea. Ok, papa. Tout le monde est dans la délégation, où tu es, puis où tu es, dans l'église. Salut, église. Église CFC. De la foi en Christ. Centre évangélique de la foi en Christ. Et pas pasteur de la foi. Pas pasteur de la foi. Alors, vous allez mobiliser, sensibiliser, vous voyez quand même les lots. Au Bani, ni papa, il y a campagne. Vous allez mobiliser, sensibiliser, le lobby. Vous allez pour la campagne d'évangélisation. Au CPC, vous allez pour la campagne d'évangélisation. Pour la chimie, on a beaucoup de choses qui sont ensemble. Ma mère est au télé, vous êtes maman. Tu es ensemble pour la CPC. Pour la RDC, toujours à la malade. Alors, impression à vous, Monique, qui va créer un peu de belé, va se mobiliser au Golo Banin. Je suis le bac à la base à deux cités. Le quoi, il y a une CPC, base à deux cités. Oh, là, c'est pour nous avoir besoin de chimie et de la très bien. Mission auto yako luka na mokili batunyo so baya bako mama yeko na Yesu. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Alors maman rapidement to moni ba chrétien belé bazoya pour comment le rôle à tembe. So ba tient concert a fali plein. Faire plein mais ce que ba chrétien pe ba mère critiquer bino mais boye belé bo rôle bani papa ba chrétien.
te bako critiquer biso te bango bayaki eza ya na tangu na bango oyo eza tana biso biso tozo tombola kombo ya Christ bango bayako tombola bango nzambe biso to tombola Jésus Christ Nazareth nzamba solo pe ya bomoi esengeli batu baya biso nde fallait batu baye bake na mboko Congo Yesu aza oui. Malgré ton masumu, ton problème, Nzambe Azali. Yes, Azali. Nzambe penza, alala na Congo. Oui, yes, Azali. Alors, ton espéré na ba miracle, ba délivrance, ton déni. Nyon, c'est ça. Est-ce possible? Pour et pas Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Nous autres, nous avons dit mana miracle, nous avons dit mana guérison, nous avons dit mana nyon. C'est que premier jour à l'élo, tes miracles, vous allez na part na bisou. Si vous êtes chrétien, vous comptez campagne à Walé, ça, tu as qui zemina. Wana eza loko la polémique to kipete. Walesa azoku misanzambe. Kizamina ku misanzambe biso toko soutenir na walesa na kizamina po musana nzambe ke liboso. Ah polémique to kota te. Voilà, merci. Qui vivra verra. Merci beaucoup. Voilà mesdames et messieurs, toujours na stade des martyrs, na koutane évangéliste Michel Koutchou. Na habité ya par hasard tonde. Ah, je remine par hasard comment. Ah eza o eza paka. Basali musalo yo. Il y a stade pour participer à Moussalo et Zablagiti. L'évangile, c'est qui s'amène à Zapaka. Dans l'évangile, il y a pionnier dans le Zamboko. D'autant que Sali croise du bois, il y a un peu de temps dans le Zélanaï. Il y a stade les jours à venir. On a faut sacrifier. On a sacrifié dans Jérémy. Catherine Kuhlmann a bêta 30 jours à Jeanne Prière à Tony sa stade à New Delhi. Bon, on a dit que l'évangile, c'est qui s'amène. Si on a souhaité retenir la prophétie, amen. Non, le problème est ça que tu as un temps de réveil à RDC, réveil spirituel. Réveil, et là, il y a eu Mingi, il y a eu la musique, et il y a musique à Mokili. Envoûtement. Donc, il y a eu un temps spirituellement. Donc, il y a un temps où nous avons besoin de réveil et tellement pour la musique à Mokili. Pour nous avons besoin de faire quelque chose dans Mokili. Ah bon? Et RDC est un pays prophétique. Le temps de Dieu est arrivé pour notre pays. Il y a un rêve spirituel et salemi. Moka est tellement spirituellement. Il y a un rêve spirituel et salemi. Il y a un rêve spirituel et salemi. Il y a un rêve plein à craquer. Il y a une restauration de vie spirituelle. Alors, pour nous, il y a un rêve spirituel. Non, la Bible le dit, venez tel que vous êtes. Et pas Nzambe, yaka lo lengo za oza mutama sumo za mutuya, oza la fétichère, oza la ngango za ndoki. Nzamba lobi, boya lo lenge bozali. C'est très important. Alors ça c'est bien, mais ton moni mobilisation ba chrétien ba ye hein? Ni ba chrétien, na moni pe ba dokota. Ba dokota, tito comme ba 17h, plein gokota. Voilà, espérons. Merci beaucoup l'homme de Dieu, évangéliste Monsieur Koutchou. Le travail continue. Ndeona na bena mono de passage, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, yo ye awa touriste toneni. Naye ko kumi sa nzambe o ya pesinga le makasi aso bakela nga naye ko kumi sa elongena évangéliste international Kizamina Kibila. Donc tiki ba activité no nyos tu. Tiki musala. O ye ko sambela. Naye ko sambela pona ko tombola nzambe o ya pamboliso. Alors, ozo espérer nini ne ko samalelo a ba avec le baromona est-ce que ba miracle est vrai ko salama? Bible bi avec la foi, ozan kondima. Za konye ba ko bika. Guérison comme ça, avec le bako tambola, babotez bako marché. Tout ça, la foi, il faut avoir la foi. Alors, ça, ça pendant 3 jours, le premier jour, batoubaye, ça fait plaisir. Deuxième jour, la clôture, vous avez espéré que batoubaye vous allez péter. Batoubaye, parce que nous avons conduit que tinda batou, bako ya, bako ya, tout retourne, c'est un mot. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que voilà, merci beaucoup, Ndebona. Merci beaucoup. Voilà, ça continue, ça tourne, Charo, merci. Monsieur, monsieur, maman, maman, bonjour maman. Bonjour. Maman, excusez en tout cas, vous êtes tellement chic. Vous avez tourisme ou bien vous avez un cadre? Non, non, tu es CPC Congo pour Christ. Tu es bon de la peau dans Mboka. Na évangéliste qui s'est mis à Kibila. Alors, Batouba, Satan, on a dit, est-ce qu'il y aura des délivrances, prophéties? Tu as retenu Nina Makambo. Tata, la vision de l'ambassade est la quête de la délivrance. La parole.
bah reçoit parole, bah reçoit paix, délivrance. Ah, ah, ça c'est très bien. Alors on a habité maman il pose un abisso. N'ayez pas chrétien, bah ça mobilisé à rouiller les lots. Ça vous dit quoi? Aujourd'hui on a monde. Et ça tellement bien, et ça tellement chaud. Non, bah en tout cas boya et belé, bah vous allez dessus. C'est parce que papa l'abisso qu'ils aiment, qu'ils bille à se préparer en conséquence. Nande ke mutu onsa ko ya arozwa miracle na ye ozana posa ko bota ko zuwa ozana posa libalo ko zuwa ozana posa miracle ko monda ba beli ba ko bika c'est un peu ça mama to moni ya tiki mande fo bele le rôle à kabila eza signification ni papa na biso za muta consécration so azana maombi ya modele ya sale la nzambe ne yangwana ah ndenga tiki bongo deja mi bonzi modele wana lelo za terrible voilà lelo za terrible ba chrétien ba se mobiliser. Le lieu comme concurrence, bah misé bah ça bah plein, bah chrétien bah qui m'a mais il y a zongi si CPC, 3 jours de prière, et je crois que et zongi et vous avez gagné zéna kala. Nous avons bien abissé à ratara rendez-vous t. Ah ok. Bissot tous à pona plainte, bissot oyé awa tamutu moko, soko ayambié sur le quoi mon concipé mon bikis, y a mon débit à papa n'abissé à zanamou. Délivrance et cause à l'agneau c'est cause à la plaie ça, et ça m'a ramoué à sa sala. Mais bah tu peux aller ça va être la binote. Bon bah ça la kipe binou bebe osala. Toi na kacha concurrence ici. Ah. Yali kama concurrence te biso zaba na nzamba. Le lenge nzamba ko sepela ko sala ya ngonde ko sala. Ah biso za nzambe to na concurrence na mutute. Ça c'est bien maman Rodio yali concurrence te hein. Te biso pour la concurrence te. Wa lesa za na nzambo za na bon moy. Wa lola biso pe to sala nzamba za na bon moy. Te biso za ka libota moko to na tata moko za na lola. Voilà, ça c'est bien net. Tu as une requête, nous pour payer le lot. Non, non, il y a une requête. Il y a une requête, il y a une requête, il y a une babelle. Il y a une requête, il y a une requête, il y a une requête, il y a un comité. Moment où c'est coqui. Il y a un comité fatigué, le sport est allé sous toi, il y a un comité boma. Au moment où souki, il est temps. Tant que tu as l'air de l'air, il y a un rendez-vous. Vendredi, samedi, dimanche, en tout cas, ne manquez pas. Bon, il y a un bel parce que Jésus a besoin de vous. Très bien, merci beaucoup, maman. Le travail continue. Au revoir, c'est le Rasuka quand même. Bon, le Rasuka, la bengi bino kaboya. Yo, 29 ans, nous avons dit que maïs est ningani. Parce que maïs est ningani, c'est le mibouaka. Biso, si tu as mibouaka, si tu as poli, tu as bien, nous avons dit que nous avons mibouaka, pour que tu tombes la combat, tu as dit. Bandoki, Bandumba, Bayana Bango. Bachel, on y a un boulevard. Oh, Bandumba. Oh, on a la longue la zemba, le baba trompe, babouaka. Oh, matrice, c'est à la lissou souté. Il est capable de tout. Catégorie nyo somu yibi kuluna to bengi bino boya. Voilà, merci beaucoup boya. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Babi Sizoko t'a déjà na stade. Donc les familles sont mobilisées. Néonanga Junior Mouwa Boa en tout cas aux appels mon pandisango. On a trouvé en ces lieux. D'abord, bonsoir Junior. Bonsoir Jérémy Luemba. Et tant que Congolais, tant que moi en Zambé, rendez-vous sacré au CPC, 3 jours de prière, na kizemi na kibila. On est sur terrain, au telle température au Golo Banoni. Température, c'est que je peux dire que l'impossible n'est pas Dieu. Parce que tout le monde a arrivé à Batouza d'une manière timide, surtout que les premiers jours, Batouza d'une manière timide, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que le Christ a crié à l'obi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Naébi que CPC et Congo pour Christ, c'est une plateforme. Nakata a CPC baza pour égorger à table 1000 églises. L'église a mis qu'est-ce qui est ton église pendant les années force. Et ben l'église déjà l'église le rôle à fort dans 16. Où ils a au Kambamana apporte Tambouloko qui a déjà l'église a mis né bazara déjà na ba membre délé. Aujourd'hui l'église nous sur la puissance y compris l'église Moussouso bazara nakata a CPC baza est belé pour les plateforme. J'ose croire ba autant dit ça mais il est déjà dans ma montre il est déjà 16h20 au moment arrivé ba tu zaka à timide. Mais contrairement à la campagne à Wallace, tout le monde qui peut ça bouger. Mais il y a une plateforme CPC, plusieurs églises. Oui. Mais parce qu'on ramène tout le monde. Bon, ce que je peux dire, tout manche monté, Wallace d'abord, c'est un pasteur, c'est un révérend, c'est un évangéliste, c'est exceptionnel, extraordinaire même. Wallace a même sa façon de communiquer. Au moment où il y a Tara date, il y a date, il y a changé date par rapport à la francophonie. Mais c'est un papa qui a compris l'importance de la communication. Tu le sais, on ne peut pas manquer
accréditation, il y a événement boy. Mais tout ça, il est notre mieux banda lundi, il y a une église, il y a évangéliste qui examine pour nous avoir accréditation, bah on roule biso. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de réunions des Akikuna. Beaucoup de réunions, tout le monde, il y a conférence à servir les Alaki. Tout ça, il y a la conférence ici. Chose étonnante, ils ont même évangélisé qu'ils ont mis la paix si mot d'ordre dans le bibo, paix sans la télé, monsieur Boy. Ah, bibo, paix sa bango, babadj, y a presse, presse sa babadj. Mais ce y a bimia qui est ika kabatrike, lobi soutoye, à pied des mots d'ordre, n'a pas y vipan, ba Julien Botalatala, ba poids lourd, y a presse en ligne. Mais ils ont là sans succès. Ce que je peux seulement dire, Wale ça il est exceptionnel parce qu'il a une importance à la communication. Donc, yo, si vous avez un mot d'ordre, vous avez le moindre. Ou bien yo zande o yesuko awa na église awa le roi infiltré na yo mutawale ça yé loko la infiltré té pour ton information moi j'ai vécu en Ngaba na sala campagne évangéliste Kiziamina Kibila pendant qu'il était en Ngaba pasteur Alain Clédé à toi ici Kazana Angola pasteur Jean-Jacques pasteur Jean-Marc pasteur Israël de papa Doué Metelo batonyo sona otana otana na ba famille ya Kiziamina ba ebinga ke na batra campagne ya Kiziamina comme directeur campagne na commune Ngaba donc na infiltré te mes souci na ngeza la ki Kiziamina to ebie déjà na ba activité ya otondi sa ba marti ya otondi sa ba stade du 20 mai mais ils ont 3 jours ils ont 3 jours le premier jour et puis to kota na 4 jours na yo ambiance si vous avez 3 jours, vous avez moins les 3 jours, vous pouvez faire encore de grandes choses. C'est ce que nous avons dit. L'entrée des jeunes à l'obaki, l'impossible n'est pas dit. Donc, vous avez dit que vous avez dit non. Nous avons perçu déjà préparation, on se prépare. C'est-à-dire la, la communication, il faut être fort. Maman, Isabelle Rema, maman passeur, je dis Kitambala. Elle nous a fauché à comité à niveau et ça chevrochement là bas journaliste et pour la badge. Bon ça va, yo la souci à badge. Et ça lui bien été. Les messages là les capter. Oui. Je pense que mon entier bas au talabiso. Toi la pose ça bas crée. Maman paye. Maman yo pas encore le bico. Bonjour maman. Y'a tout mon ayo. Maman Zobanga. Alors toi maintenant la Kati, la terrain. Toi bas qu'est-ce qui se passe là-bas, mesdames et messieurs. Nous sommes là. Merci à Mimi Ndoumé depuis Moshingla Banalmanouana. Le célèbre Dien Zundu na Washington. Yalu Zombala de Madrid. Merci également à Sema Mayasi, femme légitime, et à Jean-Si Mayasi, Forza Italia. Bah, chrétien Nyoso Botalabiso, nous sommes à Kinshasa. Donc CPC Bandi avec l'évangéliste international Kizemina Kibila Jean-Oscar. Donc voilà, il y a plusieurs invités. Charo, sois prudent. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère. Papa, en tout cas, mon c'est bon, t'as la biseau, hein. Ok. Comment on est, papa? Je suis le révérend Isaac Songo. Je travaille dans la commune à Bumbu. Je suis président de Bumbu et dans le cadre de la CPC. CPC, c'est la plateforme. Vous avez un pasteur rebelle? Oui, tu as un pasteur rebelle parce que tu as vraiment besoin de tomber dans la combo à Nzambe Namboko. Tu as un peu de temps dans la combo. Parce que nous voulons un changement dans la carte de Namboko. Mais tu ressembles pour Namboko combien de fois? Tout le monde va prier pour la nation, pour sangani ba pasteur awa et l'autre côté. Tu ressembles la rassemblée. Ou laisse pas ça qui a ce qui peut avancer. Papa, oyo za vision za ma pesa évangile, j'aime ki bila. Za ma pesa vision na cadre la CPC. Et za première édition de tout ça déjà édition belé. Alors cette fois-ci, tu décides qui va te sembler la lissou pour Namboko. Tu te à ça mala, pas bon la mitema. Ba Nzambe, ba Nzambe, même pas c'est pas Nzambe parce que Christ seul est capable de changer les choses dans ce pays. Alors, dernière question Charo, je l'ai pas invité papa. Papa Zara Baninga, vous voyez combien de personnes, papa? Je suis à côté de la 4, mais vous voyez, tu as 4 pasteurs. 4 pasteurs, est-ce que vous voyez la base, la base, la foule? Oui, oui, base, je suis à côté de la 4, je suis à côté de la 4. Ok, est-ce que vous voyez la base, espérer la délivrance, parole prophétique, tout ça, c'est un miracle, un miracle. Les chrétiens vont espérer d'abord les païens qui sont en train de recevoir la saline à Bango. Il y a aussi des enfants de Dieu qui ont des problèmes. Nzambe a copé sa bonne solution parce que Dieu a des milliers de solutions qui cherchent des problèmes. Très bien. Okay. Merci l'homme de Dieu. Merci. Papa, un mot juste par rapport à Nengiboye et au Lobani. Bon. Nga na zappé moko oyo na biki. Justement, la campagne m'examine à Tinali Sala. J'ai souffert pendant 5 ans. Nous avons besoin de France. Alors, Abimi Singa na CNPP. Mais Nali Sala, avec le pasteur Moki, il dit je crois que c'est 74. Ah, il y a des caca alors. Comme ça, dans Zambé, dans une église, mais na ligne à soutenir la vision. Ah, donc, on y est comme étant pasteur, mais pour soutenir aussi la vision. Oui, pour Namboka Congo. Pour Namboka Congo. 60 déjà, c'est beaucoup. On a vu 3 fils. Ils ont fait ça, mais ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça.
Merci papa. Munanga travers. Na sini na mtu moko chaka maboko de nikolo. Chaka maboko de nikolo ko mundo kuko sanga. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté to zanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là. Et puis, difficulté à foutre là-bas dans Minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu as l'indambo. Nazo banga, ke bana oyo, baka ta classe, bako manango na soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé un message, oyo na batu nyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili, ndambo na jou na rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour la bande kolanga nyoso ba kongole, bobi ba réalité nini to passe nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na boko lana ainsi, dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zélaté. C'est difficile, il y a au salangonga moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel, na bananyo sur Nzambe, pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kulata pe kulia na bango. Na osenga na batunyo sur baza kia sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe, ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya mounene, tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour Nabato, Balingi va contacter Bissot pour Nabat détail Moussoussou. Ils ont plus 243 89 72 32 229. Zamba Pambo Labatou Nyoso, Bako assiste Bissot. Merci beaucoup. Mbote bandeko, eza lisusu ngai mama Mika la cosmétologue réparatrice à l'oposo. Toye lisusu na ba produit na biso sans hydroquinone, fait à base à ba fruit, c'est naturel. A toza na temetis na biso, pona base à pembe, mibala pembe, yon tu pembe na oye beba e gata, ki mamba ou osa e la temetis na biso, solution yango yo eye. A toza na mafuta pona bata mwindu bata chocolat, oza mwindu chocolat, qui malo mbango mafuta na bino yango yo fa baza ba fruit. Tozali na crème réparatrice pour na batunyos bana problème tampon, cancer de peau, nduta, oh bandeko boya mbango. Tozali na huile d'ananas ezo sunga makasi fe a base ya nana bandeko nanga boko sepela makasi. Tozali na gommage café na lotion tonique pour na bata ba bouton, bata ba graisse. Soin de visage, boki mambangu et ko sala biso bien. Sou di nouveau à Kinshasa, pomade anti solamapeka. Yon to botama na solamapeka. Alors, ki mambangu dans deux jours à pamba solamapeke zo sila. Savon na biso yango pona douche et ko sala o ki to ko zo longo la ba salite nyon sotou mi kousa nan zoto en tout cas o ko sepela. Balobi mama Mika cosmétique a yeli sousou, a yeli biso beauté d'une femme, beauté d'un garçon. Tozali na machine à périr, confection périr, na 4 $ ya pamba. Oh, monsieur! Pétage. Oh, solution yango eye ba produit na biseza naturel. Numéro na biso plus 243 89 98 27 674. Tozan na commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo, numéro A17, référence cabine à courant. Bye! Bye! Oh, 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 oh
I'm gonna go.
L'arrivée de son serviteur, acclamé encore très fort, pousse encore des cris de joie au nom de Jésus. Congo pour Christ, que la gloire revienne au Seigneur. Gloire à Dieu, parce qu'on comprend dans ma camboyo. On comprend que les acteurs, ils ont participé. Gloire à Dieu, merci Jésus, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Il est le Seigneur des Seigneurs. Voilà. Maintenant, c'est un grand moment. Nous voulons écouter. Amen. Gloire à Dieu. J'appelle ma sœur. Pendant qu'elle s'approche, on acclame très, très fort le Seigneur. Mettez la tête à mon bois bien. Congo pour Christ. À vous. Révérend ministre de Dieu, honorable député et sénateur, Excellence Monsieur le Ministre, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Grande est notre joie de vous compter parmi nous dans ce somptueux stade omnisport de martyrs pour cette sixième édition de l'action évangélique dénommée Congo pour Christ, en sigle CPC. Et nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment, puisque c'est en son nom que vous êtes venus en ce lieu. Avoir de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu pour avoir permis la réalisation de cette activité. Il reste jusqu'à cet instant notre Ebenezer, que son nom soit glorifié. Aussi, nous voulons, pour avoir accompli la vision et la recommandation du Seigneur, d'organiser des grandes réunions de prière publique afin de prier pour la RDC, ce beau pays est envié par tous. Aussi pour tant de sacrifices consentis, tant de privations et tant d'obstacles bravés. Que de sacrifices consentis, tant de privations et tant d'obstacles. La balkanisation et d'autre part, il faut organiser des élections générales. En sortant de l'Égypte, Israël était aussi confronté à deux situations, à savoir la mer Rouge d'une part et l'armée égyptienne d'autre part. Mais
Il fallait l'intervention divine pour résoudre cette équation. Donc, c'est dans de pareilles circonstances que l'Église doit implorer l'intervention divine pour que la guerre s'arrête, que les élections soient organisées dans un climat de paix et de cohésion nationale. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Donc on se demande pourquoi une réunion de prière pour le pays alors qu'on a déjà organisé plusieurs rencontres du genre. Nous leur répondons en ces termes. Savez-vous combien de fois Israël a vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais cette douleur. Exode chapitre 3, verset 7. Voulu par Dieu. La Bible dit, priez sans cesse. En Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Donc nous continuerons à prier jusqu'à ce que l'Éternel nous réponde par des signes. Distinguez, invités à vos titres et qualités respectives. Nous avons l'impression que l'Église a perdu ses repères, comme le mage ont perdu le toile lors de la naissance de Jésus-Christ. L'Église a oublié sa mission première, celle d'évangéliser et de gagner les âmes pour le royaume de cieux. Il est donc temps que nous reprenions notre mission. La Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates chapitre 5, verset 7. Aujourd'hui, nous sommes plus que divisés, cloisonnés dans le regroupement de plateformes. Nous combattons les uns les autres. Voilà pourquoi l'Église a perdu sa force, sa puissance et sa valeur. Mes frères et sœurs, il est temps que nous soyons unis, car c'est dans l'unité que nous sauverons ces beaux et grands pays. Unis, chasserons l'ennemi qui cherche à déplacer les bornes de notre pays. La Bible dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruites les uns par les autres. Et il agira pour sa seule gloire. Car il a dit dans sa parole, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Ainsi, soyons tous unis avec foi. Demandons à Dieu que son règne vienne dans notre pays. Et qu'il nous délivre de tout ce malheur qui nous accable. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo, cher et beau pays, ses autorités ainsi que toute son Église. Encore une fois, soyez le bienvenu. Je vous remercie. Acclamez fort. Waouh! Merci, Sœur Flavie, pour ce discours. Amen. Merci beaucoup. C'est le spirituel qui dirige le physique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout est dédié à notre pays. Nous disons beaucoup ensemble parce que le Seigneur lui-même a un contrôle vers vous. Amen, amen. Et nous croyons qu'au travers de ces assises, la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays. Voilà. Nous avons dit que pour un grand service et ce service sera accompagné par Maman Lormo. Amen, amen. Alors pendant que je vais, acclame très bien. Plus que ça, oui. Merci beaucoup parce que tu as compris. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Je m'arrête d'avoir appelé un homme de Dieu qui parle bien pour un service très très important. Et ce service sera accompagné par Maman Laure Bongo. Voilà pourquoi je fais appel à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul.
Mayaka, Tata qui s'approche. Nous acclamons très fort le Seigneur. Il va nous amener dans ses services des offrandes. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va votre rôle maman? Est-ce que ça va votre zone de maman? Nous sommes en train de ma Congo pour Christ. Yesu Masia votre maka na Congo. Jésus-Christ Nazareth est Dieu au Congo. Soyez ma chrétien, vas-y, Abba, Pépa, Alléluia! Merci, merci. Encore un ami, soyez sur ma scie à Nazareth, nous avons solo Père, bon moi. Et merci à notre papa, l'évangéliste international, papa Géo, Jean-Oscar, qui s'est mis là, qui vit là pour nous. Oui, ma honorée Bissomana, quand on soit le camp d'évangéliste, la Sama Colonna Bango, pour ce grand travail, on va sala, on va sala, et puis on soit la Sama Colonna Bango, le camp d'évangéliste et de ministère. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tant que ça a dit la conférence, n'est pas ça, il a dit la campagne amicale piquée par la grâce de Dieu, tout le monde a trop dépensé à ma case. Tant que ça a dit trois jours, il y a stade de martyr, Nathalie Dinan, dans le Vitefo, Kozana Batoyo, Bakoma Bisigano, Yoko Matebo, comprendre que non, ça l'est l'autre. Kona Pangolo, parce que vous comprenez. Apparemment, Batoua Koto, Batoua bien par rapport à Batoua Koto. Est-ce que Batoua Koto, Baza? Batoua Lobo, moi si Baza? Tika Kondi Manayo, Elongi Sayo, na CPC. Et ça, la mélayo, qu'on a dit, ça m'a la condima na yo. Moi, toi, condima dans la naïe. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yoga Siko. Yoga Toke de Wambang. Dans la note de la Bible, la mouni du solo. Il y a Christ, c'est encore Koundié. Dans Matthieu chapitre 28. Son baïna verset 12, il y a 13. Au combat d'appel, il faut comprendre. Mukolomo va kuni Christ. Na sevela na version letina na makasa otia sa mumala. Va kuni Christ. Va soldat va eko yebisa Pilate. Va lobi mutoyo. Amanda kolo va aosekwa après trois jours. De peur que va tunaye. Va eko yiba nzoto ne na cimetière. Pe va eko kosa biso ete asekwi. Écoutez bien aimé. Bime lobi. Balobi, ma be oyo e koleka koutou nenga lobaki aza roi des juifs. Balobi to tcha ba soldat ba feye na lili tanaye. Pilate a lobi, ok, bo tcha ndenge kakawana. Ba sui ba soldat ba tche na lili ta. Nazo parle si la résurrection te. Mais je me le dis à quelqu'un que Christ, tremblement de terre et salami, trois jours après Christ a sekoui. Tant moi sekoui, ba soldat ba comprendre que réellement et en vérité a sekoui. Ba ke ma mou kope sa sawe pa ya ba chef, pe na ba dunyon so kolo ba ke. Certainement, ba yibin zon tote, me to mouni koman a zate. Yave en ange a outaki li kolo, a roule pierre, pe a fandi li kolo na yango. So ki na zaki na ma soldat wana nengana lo ba, mou kolo Lazare a koufa ki. Pona li sekwa na ye ba senga ki ba tuba longo la libanga. Mais mon colonaïe, ton moni mouta l'omoli libanga te, mais ton moni ange da kita l'omoli libanga, et afandi li kolo ya libanga, pour la kolo bate mouta ko songi sa libanga oyo, asa! Tika bata on dit, mazama pango la vino. Basio bakanga kabasaliero! Tele manan le sika osa ombeta milolo! Beta, beta, beta! Je suis en France, Italie, on a eu du côté de la yote! Et y a beta, ma boko! Amen! On a tant de choses à dire que l'on a dit ça, maman, alors! Mbongo! On
Yeah!
loba. Menga ite mutuna za penza malamu malamu. Yakotali sabino mutu oyo alinga biki sabiso. Na poko alelo na nsela na yenza malingi koleka. Nangona bo lingo nyonso. Nabiso batuto zalaki na conference. Toyoka kibo lingo yandeko. Mutu oya bengi intime na ye. Mwana mama. Nalingi na benga. Un homme fort. Un homme de Dieu. Oya wuteli biso musika. Namboka yangola. Dosali to bengi sa. Le maréchal. Antonio Miezi. Tamwazali koleka. Pona ko presente biso bote. Nalingi pambola ye na maboko. Oza wapi na zoyo kayote. Hallelujah. Te na yoki yote. Hallelujah. Na loba. Na zoni na ozo misalamai. Na loba. Na sakola. Na bimisa, na tokotona, na talisa motoko vibra. Na mpoko na lelo, na zana yesengo. Yako talisa moto oyo, ana mbeki na mutuna ye. Kasi mbeki wana. Yana bato mosusu wana mbeki la mutuka sezana maite. Ata olandi ya okozwa eloko. Te. Pona ngai. Aza moto moko extraordinaire. Poma kambo ya sala kati nanga ekoza la ganzamba. Kasi moto yango azali mwana ya tata moko. Yona ba tata ebele. Kasi yaza mwana ya tata. Nala kisabino moto wana. Na benga moto wana. Na amena wezo kwa konvenkre nga ite. Okoko pete milolo pona lakisa moto wana deja zo funza funza. Te milolo wanezo yoka na te. Milolo wanezo yoka na te. Ana yoka ya mwe mata. Na lobyaza mwana ya. E panda ke je pa. Je voudrais appeler un homme ici devant, le fils de paix, et j'ai l'honneur à ces instants d'appeler l'évangéliste qui s'est mis là, qui vit la chance, le fils de la porte à Tambourouki. Le miracle qui va se produire ce soir. Le contact, il s'en va pas pour aller là.
Écoutez-moi. Vous avez amené vos frères qui sont malades. Et vous qui êtes malades. Souvent dans des croisades où je passe. Le Seigneur opère des miracles pendant que je suis en train de prêcher. Un jour, j'étais à Chikapa au stade Kazala. Ce jour-là, le musulman a amené une femme musulmane à veille. Je ne parle pas des miracles qui se passent aux États-Unis. Mais ici, au Congo, et peut-être plusieurs sont là où pendant que j'étais en train de parler. Pendant que je levais un homme dans la foule, le musulman était là. Il voulait une femme à faire. Il voulait savoir si les miracles qui s'opéraient étaient vrais. Mais pendant que je parlais, tout à coup, cette femme commença à s'écrier. Je vois. Je vois. Je vois. Et à l'instant, ce jour-là, 21 musulmans ont donné leur vie à Jésus-Christ. Un autre jour, c'était en Angola. Je me trouvais dans la ville de Kafoufou. Un pasteur est venu avec sa mère. Ma maman était paralytique. Et puis que ce pasteur est né, la maman était paralytique. Dès qu'au moment où je prêchais, j'entendis les cris dans la foule. Cette maman s'est levée. Elle a commencé à crier. Le pasteur est passé devant. Parce que le pasteur était derrière. Alors tout le monde voulait voir ce qui s'est passé. Le pasteur regarde. C'était sa mère qui marchait. Il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton tour. Je dis à quelqu'un qui m'écoute. Ce soir, c'est ton tour. Je voulais dire à quelqu'un. Vous allez voir ce soir. Les gens laissaient les béquilles. Les gens laissaient les chaînes roulant. Les gens avec les foies. Parce que Jésus que j'annonce, il ne change pas. Il est le même. Bien. Aujourd'hui et éternellement, acclamons très fort le nom de Jésus. Comment? Je lis dans les livres de Jean une vieille histoire que nous connaissons tous. On a prêché, on a entendu, on a expliqué. Je sais que l'évangile est tellement simple. C'est nous qui compliquons les choses. Jean chapitre 5. Je commence au premier. Et du premier verset, nous allons terminer au 11e. Il est écrit. Et comment m'y boyer. Après ce jour-là, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et s'approcha. Et lui dit, veux-tu être guéri?
Le malade répondit, Seigneur, Kolo, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et je suis dire donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'a pas permis d'emporter des choses. Il me répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait qui est cet homme. Il dit, qui t'a dit prends ton lit et marche. Et lui, qui avait été guéri, ne savait pas que c'était Jésus. Car Jésus avait disparu. Amen. Nous allons prier. Seigneur éternel Dieu, ce peuple est venu pour toi. Ce peuple n'est pas venu d'enseigner contempler un homme. Mais ce peuple est venu pour écouter ta parole. Avec leur fardeau. Je veux que je disparaisse. Que tu croisses. Que tu étends ta main. Et que tu agisses au milieu de toi. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi vous dire, peuple congolais, le salut de ta vie, le salut de ce pays ne viendra pas d'un homme. Le salut de ce pays ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Nous pourrions tout faire. Mais laisse-moi te dire, tu as compté sur ta famille. Tu as été déçu. Tu as compté sur ton mari. Tu as été déçu. Tu as compté sur tes frères. Tu as été déçu. Tu as compté sur tes amis. Tu as été déçu. Mais je voulais dire à quelqu'un, un homme qui ne peut pas te laisser voir, quel que soit le circonstance, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu es, il y a un homme qui ne peut jamais te laisser. Laisse-moi te dire souvent, quand nous sommes en bonne santé, quand on est en train de travailler, quand on a des possibilités, quand on a des moyens, il y a beaucoup d'amis qui viennent, des membres de famille, des connaissances. Mais il faut que tu es malade pendant une année, pendant deux ans, pendant trois ans, tu es couché. Même ceux qui mangent à ta table, même ceux qui se promènent avec toi, même celui qui dormait sur ta poitrine, il va t'abandonner. Mais l'homme de Galilée dit, je ne t'abandonnerai jamais. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses les moments obscurs de ta vie, les moments de douleur, lui dit, moi, je te laisse. On l'acclame. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous raconte une très vieille histoire. Des siècles passés, d'un homme malade pendant 38 ans. Mais on ne sait pas à quel âge il est tombé malade. De naissance. Ou bien après quelques années, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, la Bible nous décrit seulement le temps qu'il avait duré à cet endroit. La nouvelle se répandit dans tout le pays. À Jérusalem, il y a une piscine. L'ange descend ce lieu. Celui qui descend le premier, quelle que soit sa maladie, est guéri.
Alors je sais pas. Oui, na yebite. C'était des amis. Azenki baninga. C'était des connaissances. Bato yeba na kina bango. C'était des membres de famille. Na kiba tu alibota. Qui l'a amené à cet endroit? Moi, ma kene sika wana. Parce qu'il a pu le dire. Quoi, bibi alobi? Cet homme ne marchait pas. Quand on est gotambo la tête. Et comme il ne marchait pas. Quand on est gotambo la tête. Certainement. Il y a solo na jimi. Il y a des gens qui l'avaient accompagné. Les gens bato na baya kina ye. Les gens ont un souci de lui. Bato ya kena kie mawa. Peut-être c'est sourd. Na musu pa kwa lelo. Toi qui es malade. Yo sobela. Il y a des gens qui doivent mener ici. Bato mtu baya na yo awa. Il y a des gens qui ont pris un taxi pour toi. Bato na su mtu kapo. Il y a des gens qui t'ont porté sur le dos. Bato su matia na mokongo. Qui t'emmène à cet endroit. Peut-être à ce lieu, on t'a invité. Peut-être à ce lieu, tu as suivi à la télé. Tu es venu à cet endroit. Et cet homme va se retrouver à ce lieu-là, à la piscine de Bethesda. Mais malheureusement, lui ne marche pas. La Bible dit, à cet endroit, il y avait cinq portiques. Et plusieurs malades étaient couchés. Les aveugles, le boité, le paralytique, le sourd, le muet, et tant d'autres malades étaient couchés à cet endroit et attendaient le mouvement de l'eau. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lui descendait toujours le dernier. Parce que comme lui ne marchait pas, il était couché, il doit prendre le temps. Peut-être de tourner pour se jeter dans l'eau. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard de ta vie. Tu n'es pas en retard de ta vie. Tu as des gens qui ont gagné le matin. Tu peux gagner à midi. Tu serais pas à midi. Même le soir, Dieu peut te visiter. Qui dit amen. Amen. Et la Bible dit, un jour, encore. Un homme doit passer par là. Qui était différent de tous les autres. Il passe par là. Il vit cet homme. Il était malade. À cet endroit. Pendant beaucoup d'années. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans ta situation. Dans ton chômage. Dans ton célibat. Dans ta stérilité. Dans ta maladie. Dans les situations que tu traverses. Je ne sais pas combien d'années tu es en train de passer. Je voulais dire à quelqu'un, c'est possible que tu la chambre dans ta vie. C'est possible que Dieu change ton histoire. C'est possible qu'il te prenne quelque part. La Bible dit, je ramasse des hommes vides. Je ramasse des hommes sans valeur. Je ramasse des hommes inutiles. Comme nous autres. Et je te dis, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qui peut arriver dans ma vie, je n'abandonnerai jamais Jésus. Je peux tout abandonner. Mais Jésus, je n'abandonnerai jamais ce qu'il a fait dans ma vie. Aucun homme, aucune femme ne peut le faire si ce n'est que lui. Moi, je dis à quelqu'un qui me fait. Même à toi qui me suis dans les réseaux sociaux. Tu as passé le temps de pleurer. Tu as passé le temps de gémir. Tu as pas le temps de poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi de telles situations? Pourquoi ça dans ma vie? Laisse-moi te dire. L'homme qui vous parle, cet homme qui est devant vous, cet homme que vous écoutez, il est passé par ce chemin. J'ai perdu mes parents. J'avais encore 8 ans. À 8 ans, je suis resté orphelin de père, de mère, avec une vie difficile. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Je prêcherai Jésus. Je l'ai lèvré. Pour la fois, je dis à quelqu'un, peut-être ce soir, tu es dans la même situation dans laquelle je suis. Dans laquelle je suis. Tu as perdu espoir.
moi. Tu ne sais plus que faire. Tu ne sais pas où manger. Tu ne sais pas te faire tu. Tu ne sais rien faire. Dans ta vie, prête tes yeux pour pleurer. Mais ce soir, écoute-moi. Ici, à Kinshasa. Ah, wana Kinshasa. J'étudie à des bonhommes. Dans longtemps, on a des bonhommes. Juste l'avenir de sauts moutons de ma tété. À l'école des Caraïbes. C'est là où j'avais décroché mon diplôme. Pendant tout le temps, j'allais à l'école avec un ami. Avec un ami. Elvis. Elvis. On marchait toujours à pied. On n'est jamais monté dans un taxi. À cet endroit, il y avait le foula-foula. On partait à pied. Et on rentrait à pied. Un jour, il me dit, j'écoute. J'ai mon ami qui est au campus. J'ai Bouamanda là-bas. On prend les étudiants. Pour moudre les soya. On prend les étudiants. Pour moudre les maïs. Et mettre dans les sacs. Allons-y. Nous faisons l'inscrit là-bas. Et nous sommes partis. Nous avons un uniforme. Et quand nous sommes arrivés, on nous a regardés. Ils disent c'est pour les étudiants. Ce n'est pas pour vous. Et je me souviens de cet homme. Il s'appelait Ndumba. Il est maintenant en France. Alors cet homme nous a regardés. Vous êtes des élèves. Vous ne pouvez pas travailler. Je prie la parole, je me dis. Nous venons travailler. On a personne. Nous voulons bien étudier. Je ne sais pas payer les écoles. Mais tu peux faire quelque chose. Et il nous a pris. On travaille de 14h jusqu'à 18h. De lundi à vendredi. Et quand on terminait.